Je suis venue vous demander pardon. Et je suis à genoux dans cette cour aujourd'hui pour demander pardon au peuple Bakengwaya. Je tiens à demander pardon à la mémoire de Madimba Ier, à tous les ancêtres de Bakengwaya et à vous, mes notables. Je demande pardon. Lève-toi, Joséphine. Non, mon notable. Je ne veux pas me lever. Je veux m'humilier pour mériter votre pardon. Je suis celui qui a le plus souffert dans cette histoire. Moralement, psychologiquement, physiquement. Et je t'ai pardonné, Joséphine. Le fait que tu as aidé à libérer Madimba Dé aujourd'hui montre ta bonne foi et ta repentance. Joséphine, nous t'avons tous pardonné. Et je parie que Kasongo du fond de sa tombe l'a aussi fait. Tu as bien fait de revenir sur le droit chemin. Kasongo, j'aimerais revoir son épouse et ses enfants. Ce n'est pas un souci. Que tous ces événements passent. Nous te conduirons à elle. Nous sommes enfin libérés. Et nous allons également libérer ce palais. Nous sommes revenus. Qu'est-ce qui se passe? Émeric n'a pas survécu à ses blessures. Il a rendu l'âme. Le commissaire, il n'a eu que ce qu'il mérite. Ce garçon a contribué à détruire ce village. Et où est ce Fomat? Nous avons été interpellés du fait qu'il a tiré à bout portant sur sa garde. Il s'est enfui dans la forêt. Vous savez, commissaire, Fomat est un usurpateur. Le vrai roi de Bakengwaya est Madimba II. Mais où étiez-vous tout ce temps pendant que nous vous cherchions? Fomat avait attaché le roi Madimba, ainsi que son beau-fils Kenye que voici, et son serviteur Kimba, sur un arbre dans la forêt. Et nous, les notables, ils nous détenaient dans une salle du palais. Mon commissaire, voilà Chouga, l'un de ses complices. Embarquez-le. Monsieur, arrêtez-vous, vous bougez de fil. Fouillez les environs et retrouvez-moi les deux frères. Rapidement.
C'est un faux Matsumigo. Ah oui. Ce feignant est passé par ici. Mon commissaire, ils sont introuvables. Nous n'avons trouvé la trace de personne. Nous nous demandons d'ailleurs s'ils ont vraiment pris le chemin de cette forêt. Et que dites-vous de cela, mes chers notables? Mon commissaire, ces deux garçons sont nés et grandis ici. Ils connaissent cette forêt mieux que personne. Tous les coins et recoins. Mon commissaire, quels sont les autres? Retournons fouiller cette forêt. Même si avant la tombée de la nuit on ne les retrouve pas, nous reviendrons demain. Il nous faut cueillir ce foment de Madimba qui sème la terreur dans tout un village et sauver son frère le député. Chers notables, cette forêt est-elle accessible? Monsieur le commissaire, je maîtrise bien cette forêt. Nous allons vous accompagner. D'accord, nous vous suivons. Je vous tiens. Je tirerai sur un véritable bout portant. Oui. Parce qu'il m'a trahi. Avec Nadine. Tout comme Joséphine. Et vous savez quoi? Je m'en tape qu'il s'en sorte vivant. S'il te plaît. J'ai mal. Lève-toi. Vous voyez? Tout ce que Madimba de plus cher. J'ai ses femmes. Sa fille. Son petit-fils. Et je veux personnellement m'occuper de cet enfant que tu portes, Nema. Je ne te permettrai pas, Foman Madimba. Pour une fois dans la vie, il faut avoir un cœur de pitié. Cet enfant qu'elle porte dans le ventre ne t'a absolument rien fait. Tais-toi! Il est coupable. Coupable parce que Madrid, elle m'a jamais aimé. Coupable parce que Madimba, son grand-père m'a empêché de régner. Coupable parce que Madimba premier ne m'a pas fait roi. Je vais vous exterminer tous. Fomat, ne fais pas ça, mon frère. Ne fais pas ça. S'il te plaît, calme-toi. Fomat, tu es mon frère. Et tu n'es pas un criminel. Calme-toi. Le même sang qui coule dans tes veines coule dans les miennes. Calme-toi, mon frère. Il est temps que nous enterrons la hache de guerre. Tu ne dois pas continuer à verser le sang comme ça. Non, il ne sert à rien de verser le sang. Mon frère, s'il te plaît, range ton couteau. Range ton couteau. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton téléphone ne passait pas, j'ai eu la peur de ma vie. Il faut qu'on parte d'ici, moi je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rencontrer Foma ni Madimba. Personne d'entre eux n'est ici. Madimba, les notables, y compris les policiers, sont allés à la poursuite de Fomat. Ils seraient enfuis vers la cabane où est cachée la fille et les épouses de Madimba. Tu sais que j'avais de très mauvaises intentions pour cette chefferie. Je ne veux pas rester ici. Il faut qu'on parte, s'il te plaît. Je comprends. Mais Mbou, tu dois affronter tes peurs pour corriger tes erreurs. J'ai honte. J'ai tellement honte. Non. Reste ici avec moi. Nous allons attendre ensemble la nouvelle de l'arrestation de Fomat. Mais que faisait Madimba et sa famille pendant tout ce temps que la police les recherchait? Fomat l'avait attaché, ainsi que son gendre Kenyé et le notable Kimba, lui sous un arbre dans la forêt sacrée. Et quant à sa famille, elle était toujours dans la cabane depuis ce temps. Mais comment as-tu fait pour savoir cela? Un jour, alors que Fomat et moi visitions la forêt, il m'a indiqué cet endroit comme étant le meilleur endroit pour cacher son ennemi. Alors toi, si tu n'existais pas, j'allais te crier. Super intelligente.
Makuta, Makuta. Dieu merci, vous nous avez retrouvés. Ces deux-là sont en train de se chamailler là-bas. Vous, vous allez bien? On va bien, Notab Kabore. Allez, vous deux, avancez, m'arrêtez ce format. Reine Magritta, où est ma fiancée? Elle est là-bas. Je suis là, mon Chobido. Mon bébé. Ok, s'il vous plaît, faites de la place. À nous l'action maintenant. Cet endroit est déjà encerclé. Alors je te conseille de te rendre. Tu as perdu, Fomat. Je perds jamais. Et je me rends pas. Tu as fait trop de mal aux gens. S'il te plaît, rends-toi si tu es sage. Tu me connais très mal. Je vais jamais me rendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce qu'il n'y a plus d'issue. Fomat, rendez-vous les mains sur la tête. Saisissez-le. Tous! Toute votre génération sera maudite! Ma chérie, calme-toi, ok? Aïe! Dans 30 minutes, tu vas tenir ton bébé dans les mains. Allez, on continue, Kisha. Souffle, souffle. Respire. C'est bon, respire. Aïe! Venez en salle d'accouchement, princesse. Félicitations. La princesse a mis au monde un beau garçon. Merci, Seigneur. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai foutu? Comment est-ce que je me retrouve ici? Tête en format. Tu m'as appelé comment? Tête en format. C'est à cause de toi que nous sommes ici. Et on risque plusieurs années de prison. Donc tais-toi la peur. C'est Sa Majesté Fomat. Je suis le roi de Bakengoya. Roi dans ta tête, toi. Et dorénavant, je t'appellerai Fomat Madimba. Suga, si on sort d'ici, tu vas le regretter. Les pauvres que j'ai habillés et nourris sont incapables d'habiller mon nom aujourd'hui. Je te rappelle que tu nous payais pour faire le sale boulot à ta place. Et en sortant d'ici, tu ne pourras rien me faire. Si jamais tu sors d'ici, je verrai combien de temps tu vas tenir à l'extérieur. Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Mes reines, princesse Ténéma, je suis ici devant vous aujourd'hui pour vous demander pardon.
Je vous ai offensé. Tout autant que vous êtes. Envers vous, j'ai été égoïste. J'ai été insolente. J'ai été hypocrite, manipulatrice. Et j'ai même détourné des consciences. Mais aujourd'hui, je suis là. Et je demande à chacune d'entre vous de trouver une place dans son cœur pour me pardonner. Il n'y a pas de mot plus fort que pardon. Et je ne vais toujours pas mettre la responsabilité de tout ceci sur le dos de Format Madimba. Parce que moi également, j'ai été et je suis responsable de toute cette situation. En ce qui me concerne, Joséphine, je t'ai déjà pardonné. Tu as sauvé la vie de notre époux. Et ça prouve que tu as vraiment changé. Merci beaucoup, Reine Marguerite. Je t'en prie. Je t'ai également pardonné, Joséphine. Et depuis longtemps. Merci, Reine Thérèse. Joséphine, en ce qui me concerne, tu as posé une action et j'ai juste réagi. Mais je sais aussi que c'est quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Cette vengeance a été pour moi une grosse leçon. Je le regrette du fond du cœur, tu peux me croire. Alors en ce qui me concerne, oui, je t'ai pardonné. Et j'espère surtout que toi aussi tu m'as pardonné. Trisha, quiconque à ta place aurait fait la même chose. Je t'ai pardonné. Merci. C'est sans rancune. Je suis passée à autre chose. Et toi, Ténéma, tu ne me pardonnes pas? Je te pardonne, ma tante. Merci beaucoup, ma princesse. Merci, mes reines. Merci infiniment. J'aimerais vous demander une autre faveur. On t'écoute. Pourriez-vous m'accompagner sur la tombe de la reine-mère? Et j'aimerais que vous intercédiez en ma faveur, s'il vous plaît. Tu peux compter sur nous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur le président de section, je démissionne de mon poste de député et je laisse place à mon suppléant. Les gens vont d'ailleurs se poser beaucoup de questions, mais le motif est personnel. Je vais forcer ce soir ma démission au président de l'Assemblée nationale. La démission volontaire d'un député n'engage pas directement son remplacement par son suppléant. Cela nécessite véritablement une autre élection législative. Et ça, vous le savez très bien. Moi, je pense qu'on fera une exception pour mon suppléant qui est quelqu'un d'exceptionnel et de très dynamique. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Vous savez bien que cette tâche incombe exactement à la chambre basse de notre Parlement. Bakengwaya! Vive! 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 Bakengwaya! Vive! 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 Chers frères et sœurs, chère population de Bakengwaya, nous sommes ici aujourd'hui pour réparer nos erreurs du passé, afin que la prospérité soit notre partage à tous. Madimba, fils de Madimba Ier et de Mafo Madeleine, qui s'était perdu dans les méandres de la politique, a retrouvé le droit chemin. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le reconnaître comme le plus grand arbre de Bakengwaya, comme le plus gros animal de Bakengwaya, comme la plus grande rivière de Bakengwaya. Il est notre roi.
Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Peuple de Bakengwaya, je suis très content parce que vous êtes là aujourd'hui. Calmez-vous. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Kabore, laisse-le. Laisse-le, Kabore. Je suis revenu à la maison. Comme on dit en Afrique, un homme sans famille, c'est un homme perdu. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à mon grand frère ici présent, le roi Madimba, qui a permis à ce que je retrouve ma liberté, que je puisse jouir encore de mon statut d'homme. Peuple de Bakengwaya, à vous, je demande pardon. Je vous ai offensé de près ou de loin. J'ai bafoué toutes nos traditions qui étaient pour moi quelque chose de très cher. Je vous demande pardon en me mettant à genoux aujourd'hui. Pour que l'amour règne à Bakengwaya. Pour que l'unité règne à Bakengwaya. Pour que la volonté de nos ancêtres soit à Bakengwaya. Et qu'à jamais, nos valeurs ancestrales soient respectées. Je vous demande pardon. Lève-toi. Tout ceci est ma faute. Oui, tout ceci est ma faute. Parce que j'étais aveuglé par cette envie d'enfance, par cette passion d'enfance, celle de faire de la politique. Un roi est le garant de la tradition. Un roi est le gardien de la tradition. À un moment donné, j'avais abandonné nos traditions, nos coutumes, pour poursuivre ma fonction de député à l'Assemblée nationale. Et vous connaissez la suite. Mon frère Fomad, ici présent, avait constaté que je ne dormais plus à la chefferie, que je devenais de plus en plus absent parce que j'étais installé en ville, parce que tous les jours j'allais assister aux sessions parlementaires. Fomad, je te vois en présence de Joséphine, Nadine. Je suis très content pour toi. Ça veut dire que tu as pardonné. Et je profite de l'occasion pour dire que j'ai demandé pardon également à mes notables. J'ai demandé pardon à mes épouses. Je n'avais pas compris que politique et tradition ne faisaient pas bon ménage. Tout ceci parce que j'étais têtu. Parce que Makrita m'avait toujours interpellé là-dessus. Ma fille Tenema également. Je pense à ma maman. Ma mère m'avait interpellé dessus plusieurs fois. Ma mère me rappelait toujours qu'un roi ne devait pas faire de la politique. J'ai tenu tête jusqu'à ce que mort s'en ait suivi. Ma mère est morte à cause de moi. Que les ancêtres de Bakengwaya me pardonnent. Vive le roi! 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 Ma
Madiba.